Aujourd'hui, on part, on s'en va à Assise. Puis mon beau-père, lui, la machine à café était brisée. Alors, il a décidé d'aller chercher un bon café. Quel café vous allez avoir, là? Moi, je vais avoir un macchiato. Ici, en Italie, même dans ces places-là là, qui ont l'air, le café est excellent. Fait qu'on reprend la route d'Assise. On voyage avec ce petit minibus, 9 passagers. Qui a pas le toit plus haut que n'importe quel autre auto. Il y en a beaucoup comme ça, soit ça sent un autre. C'est ça, Nico? C'est quoi ce Bonjour. Là? Bonjour! On a 2 heures de route à faire. Let's go. Un café, s'il vous plaît! Un café, s'il vous plaît! Ok, va porter ça. Dépêche-toi! Mais non, c'est fini. Ok, on prend la route. On vient d'arriver à Assise. On jette l'œil sur la ville pour la première fois. C'est ça, c'est pour monter. C'est ça. Il y a beaucoup de Franciscan knick-knack. Ça me tient à ça, les franciscains. Une fourmis dans le désert dit à un géant: est-ce que je peux marcher sous ton ombre quelques heures? On échangera après. Ben oui, ici ça a l'air piéton, mais non! Qui tienne la cathédrale? Sinon, ça tiendrait pas. Et puis là-bas, qu'est-ce qu'on retrouve? Un carrousel! On vient d'aller voir les reliques de Sainte-Claire, à l'intérieur de la basilique Sainte-Claire ici. Plusieurs aussi reliques de Saint-François d'Assise. Tu sais, c'est des souliers qu'il avait portés quand il y avait les stigmates pis tout. Ok, on va relancer? Là, on va faire le chemin pour se rendre à San Damiano. C'est environ 17 minutes à pied par ce beau petit chemin-là. Prends la route pour Firenze. Demain. Salut! Demain c'est ma fête! Bravo! Alors, déjà 7 ans! Bravo! Aujourd'hui, il se passe 2 choses de grande. La première, c'est que Mélodie a 7 ans. C'est son anniversaire. Puis on visite Fienne aujourd'hui. Ça va vite, hein? Ah, il se fait dépasser l'aigle! C'est la chouette, c'est la chouette, c'est la chouette! Dans la ville de Sienne, le paio, l'espèce de course, prend beaucoup d'ampleur. La ville, à l'intérieur des murs, est toute séparée en 17 contradas. Chacun appartient à la naissance à sa contrada. Puis là, ça va être leur fierté jusqu'à leur vieux jour. Et puis, il y a des rivalités entre les différents quartiers. Puis, donc c'est ça, ça c'est les logos qu'on a vus de chacune des contradas. Chacun par un animal, le porc-épic ou bien l'aigle. Tous les quartiers sont comme ça, séparés, différents coins de rue. C'est lui, c'est l'entrée. Oh mon dieu, c'est compliqué ça. Les machines des... Tu regardes. Laurent, je pense que c'est marqué de pas toucher celle-là. Regarde, Laurent. Lui, c'est un engrenage. Il tourne là, il tourne là, il tourne là. C'est comme presque comme dans le truc. Puis ça fait tourner, puis il essaie d'attraper. Nicolas, est-ce qu'on s'est amusé là-dedans? Oui! Oui! Le gros poisson! Le plus gros poisson! Et finalement... C'est moi qui choisis! Alors ici, on va faire la simulation des courses de chevaux avec des billes. Mais le noir! Toi, tu es chien, tout! Panthère! La
avec la couleur du drapeau. Non, la panthère, là c'est la louve. Pourquoi tu veux mettre la louve? Moi je me demande ça. Alors maintenant, attention, hein. Allez-y, voilà. Ensemble, va. Allez-y, allez-y, allez-y. Go, go. Voilà. Voilà. Attention, attention, Polo. Nico. C'est le paradis des bouchons de champagne ici. Papa, on doit rentrer dans ça, acheter des millions de bouchons de champagne. Juste quelques jours qu'on est là, mais on se tente pas de regarder ça derrière. C'est vraiment, vraiment beau ici. Il y a de ça. 7 ans, Michel était à l'hôpital et a donné naissance à... Bonne fête des loisirs! Ah, j'ai-tu mis 8 puis t'as 7? Oui. Oh mon Dieu! Ah! On va l'enlever! Ok! Et bébé! Hourra! Ben le briquet! Bonne fête, les gars! Dans 40 minutes, il faut être parti d'ici. On prend 3 trains. Un petit train de 5 minutes, un train plus long, puis un autre train. Un autre départ pour nous, on s'en va maintenant vers Venise, on prend le train. On vient de dropper l'auto ici, qui est là, puis on s'en va tous avec nos valises. Bon, le voyage est loin, là. Il nous reste encore 2 semaines. Là, on s'en va à la gare! Qu'est-ce qu'il y a là? Oh. Il y a de la place en masse. Il avance pas, c'est l'autre train qui avance. Il y en a au moins 20. On est à Padoue. On a fait 2 de nos 3 trains pour se rendre à Venise. Toute une aventure. Oui, merci, mais c'est le sac à dos que je veux. On a encore nos 6 enfants. Ouais, on a tous nos bagages. À un moment donné, on a perdu un soulier qui est tombé dans la rail de train. Mais on a pu le récupérer. Puis je tiens bien lui parce que sinon on va le perdre aussi. Ah, il court après les pigeons, mais il n'y a pas beaucoup de largeur ici pour courir après les pigeons. Après ça, on va être rendu à Venise. La dame était folle. Regarde, elle est marchée dans le train, puis elle a monté. Attention, c'est une note, ça. Là, on est dans un train à 2 étages. OK. Il y a un peu d'espace ici au moins. Et on traverse l'eau pour se rendre à Venise. On est arrivé à Venise, on a pris le bateau numéro 2. Je te dis que c'est quelque chose, on est tous parqués ici. Pas mal intense. C'est vraiment surréel, c'est tellement beau, j'ai envie de pleurer. Ici, là, il y a toute la ville sur le côté, c'est sur l'eau. On s'en va à la messe à la basilique Saint-Marc. On va prendre une des plus petites rues qu'on a jamais prises. C'est l'indication principale pour aller à la place Saint-Marc. Wow! Ok, c'est pas des blagues, ça là. Franchement, super, il y avait un chœur professionnel. Et puis, j'ai demandé, j'ai vu le violoncelliste qui descendait. Puis, il m'a dit qu'en fait, les œuvres qu'on a entendues, c'était composées par le chef de chœur là-bas. Oh, c'est beau ce petit coin-là ici. C'est pas une glissade, ça? Vous allez tomber dans le trou. Qu'est-ce qui arrive si vous allez dans cette glissade-là, vous pensez? À l'intérieur, sans plus sortir. Ben c'est ça, c'est une glissade? Non, on voulait escalader, puis on voulait pas. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art. S'il vous plaît, ne pas grimper, vous asseoir ou vous accoter sur les fruits. Attention, on va faire une folie. Là, on va prendre le Vaporetto, faire le tour, une ride de 1 heure. Ouais. Et je pense... Je vais les valider. On s'en va, on y va, là? Vaporetto? Les enfants... Non!
Il passe, lui. Allez, papa, allez, maintenant, les règles. Si on se posait la question, les vidanges à Venise? On vient de traverser une bonne batch de pont pour quitter l'appartement ce matin puis se rendre à la gare. On est sur le dernier et le plus haut pont. Les enfants, ils ont bien fait ça. Ils ont traîné leurs valises, ils l'ont monté dans les marches et puis on est arrivé là. Bon, fait qu'on est sur le pont. Je me rappelle pas son nom. Les gens prennent des photos de nous. Les gens prennent des photos de nous. Les enfants, regardez, des très beaux efforts que vous avez faits. Je suis fier de vous. Alors, on est dans le train. On vient de quitter Venise. On s'en va à Naples. On tire au sort. C'est le premier arrêt où est-ce qu'on change de train pour Pompéi. Ça dure 5h30. On a des voisins sympathiques, alors ça devrait bien. Oh, ils ne volent pas. Maman, regarde! Oui, on en a deux de la même.